bon pour la tête présente. Quand Marissa lit. Extrait de livre choisi et lu par Marissa Rachel. Satan ? Es-tu là ? C'est moi, Madison. Je viens juste d'arriver ici, en enfer. Mais ce n'est pas ma faute. À moins que je ne sois réellement morte d'une overdose de marijuana. Peut-être que je suis en enfer parce que je suis grosse. Une vraie truie. Si l'on peut aller en enfer à cause d'un gros manque de confiance en soi, alors c'est pour ça que je suis là. J'aimerais mentir et te raconter que je n'ai que la peau sur les os, des cheveux blonds et des gros nichons. Mais tu peux me croire, si je suis grosse, c'est pour une très bonne raison. Pour commencer, permets-moi de me présenter. Comment restituer fidèlement la sensation précise d'être morte ? Oui, je connais le mot restituer. Je suis morte, pas attardée. Croyez-moi, la mort, une fois qu'on y est, c'est beaucoup plus facile que l'acte de mourir. Si vous êtes déjà capable de rester de longues heures devant la télé, la mort sera une partie de plaisir. D'ailleurs, regarder la télé et surfer sur Internet sont d'excellents entraînements à la mort. La mort, pour vous donner une idée, c'est un peu comme quand ma mère démarre son ordinateur portable pour s'immiscer dans le système de surveillance de notre maison à Mazatlan ou à Banff. À cet instant, ma mère va sûrement pousser un petit gloussement puis presser contrôle, elle, pour enfermer une femme de ménage dans une salle de bain car, à trois continents de là, le carrelage n'a pas l'air d'avoir été suffisamment astiqué. C'est son idée de la joie saine, influencer l'environnement sans être physiquement présente. La consommation, in abstentia. Comme un chanteur avec son tube sorti des dizaines d'années auparavant, il sait que sa chanson trotte encore dans la tête d'un ouvrier chinois exploité qu'il ne rencontrera jamais. C'est un pouvoir, certes, mais un pouvoir vain, impuissant. Eh bien la mort, une fois qu'on y est, c'est comme ça.